Bonjour à tous les Kaisers et les Kaiserines, et aujourd'hui, déjà je vais ranger, je vais mettre mon lit. Aujourd'hui nous allons, en fait j'ai une idée, ce que je vais faire c'est que vers là-bas, je vais faire un chemin depuis ici jusqu'à là-bas, et ben voilà, ce sera cool. Voilà, attendez, je récupère mon cacao. Donc une pioche, je vais m'en faire une deuxième d'ailleurs. Ça c'est une épée de secours. Donc, ah, évidemment pour la pioche il faut, je vais prendre toute ma cobble. Alors comment je vais m'y prendre? Je pense que je vais aller. Remarque ça. Ouais, bah, je vais faire ça comme ça. Je vais faire deux blocs de large. Ah, ça va être long. Du coup, je vais prendre une. Oula, une hache. Non! Non, vilain! Une hache. Hashtag hache. Et évidemment, il me faut une pelle, évidemment. Je vais en prendre plusieurs, comme je sens que ça va casser. Là, hop. Attends, je vais me faire une nouvelle hache, parce que là, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, je veux dire, il n'y a plus beaucoup d'énergie. Ah, formidable. Une vache. Formidable. Ah, je sais pas si dans cette version les feuilles tombent toutes seules quand on a miné l'arbre. Évidemment, j'ai pas pensé à prendre des escaliers. C'est pas grave, la maison n'est pas loin. Voilà, des escaliers. Ça fera l'affaire. Oula. Ah ben tiens, je peux récupérer mes blocs. Attends, non. Là, c'est des. Je vais plutôt. J'avais peur que, comme là, je me suis habitué avec le Saint-Empire Minecraftien à ma pioche en netherite, que je creuse des choses immenses. J'avais peur que là, du coup, les temps de destruction là, soient longs, mais en fait, non, ça va.
Voilà, je pose mes blocs. Ok, on est l'équivalent de midi. J'entends une araignée. Mais là, pour l'instant, j'ai plus besoin d'araignée. Et oui, puisque j'ai mon lit, donc j'ai plus besoin de laine, donc plus besoin de poils d'araignée. Sauf si je construis une autre maison, mais bon. Après mon chemin, je peux faire des bases secondaires aussi. Au lieu de faire comme ce que je fais sur le Saint-Empire Minecraftien, de faire une seule grande ville, mais avec plusieurs quartiers. Enfin voilà. Je sens qu'il y a un mob spawner en dessous. Par contre, c'est vraiment pas le meilleur biome pour faire des routes. Mais c'est justement là où on en a le plus besoin, évidemment, comme on peut pas trop voir à travers, que c'est compliqué à construire. Voilà. Non, et puis je me souviens quand j'avais mes premières parties de survie, donc qui étaient sur le Minecraft Lite, la première version là, le version démo, ouais, la démo. Et ben, j'adorais faire. Alors, soit je faisais des maisons style un peu villageois, soit je faisais aussi des immeubles ou parfois des trucs cachés, des châteaux, dans des tours. Mais aussi, j'aimais bien faire des routes qui mènent nulle part, hein, mais qui déroutent. Je vais faire en pierre plutôt qu'en gravier parce que voilà, c'est moins joli, mais c'est plus enfin, remarque, non, c'est joli la cobblestone, mais comme ça va plus vite pour marcher. Vous imaginez s'il y avait un grand homme qui s'appelait Philippe et que pour lui rendre hommage, on créait un zoo à son nom. Ça ferait le zoo Philippe. Évidemment, j'ai un arbre en plein milieu. Attends.
Évidemment, j'ai pas de bouffe. J'espère que quand je rentrerai à ma maison, ma femme elle aura cuisiné, voilà. Ah, il va pas tarder à faire nuit. Ah, il faudra que je fasse des... Comment ça s'appelle? Des lampadaires. Voilà. Ah ah! Oh, oh, des oslots! Oh, j'avais oublié qu'il y avait des oslots dans les jungles. Non, en fait, non, c'est trop bien d'être dans la jungle. Allez, la plaine, je m'en fous. Moi, je veux des oslots. Oh, c'est trop mignon. Par contre, faudrait que je pêche du poisson pour les apprivoiser. Oh, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Hop, je récupère la terre. Les pousses d'arbres, ça. Ça, je vais dire. Ah, j'ai. Ah, ben, je vais devoir miner. Je vais en profiter pour faire des blocs de. Ouais, je vais continuer à aller tout droit. Et j'ai pas pris de torche, évidemment. Bon, tant pis. Ok, bon. Alors, sur mon bureau, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai un mini-mock avec un clone custom avec un lance-flamme. Custom que j'ai fait moi-même avec des pièces officielles. J'ai Alice au pays des merveilles, un samouraï que j'ai mis comme sur un diorama sur... tout ça surélevé par rapport à mon bureau. Sur le jardin japonais, là, de Lego. Et j'ai mes casiers à vis remplis de petites pièces Lego en face de moi. Avec la construction qui sert à faire mes présentations de figurines. Vous voyez le petit short que j'ai mis il n'y a pas longtemps sur Kaiser Brick. Je vous conseille également d'aller voir mes autres chaînes. Voilà, j'ai une chaîne Lego, voilà. J'ai d'autres chaînes, j'ai une chaîne artistique, j'ai... Enfin, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai, juste à côté de moi, parce que j'ai sorti, j'ai mis le jardin à la place. J'ai une poupée en porcelaine. Enfin, les bras, le corps est en... La tête est en porcelaine, la tête est en bois. Voilà, très jolie. Par contre, est-ce que j'ai lancé le minuteur? Ok, oui. Ok. Attends, je regarde juste un message en attendant. J'ai pas le temps de lire. De toute façon, je suis en vidéo, je verrai après. Toute façon, c'est pas professionnel, alors ça va. Ni urgent, ni professionnel, donc ça va. Alors, ouais, bon, j'ai 51 blocs, c'est pas grand-chose. Ah, j'ai plus beaucoup de nourriture.
Ah, il entend. Salaud. Assassin, moule à gaufre! Je veux récupérer la pastèque. Voilà, bon, je vais manger de la pastèque. Mais ça nourrit pas beaucoup. Voilà. Et si je me faisais pas des petits lampadaires? Des petits lampadaires. Comment je vais les faire? Ah, j'aimerais bien utiliser du chêne, mais... Remarque. C'est pas tout à fait le moment. Ah ok. Bon, j'ai pas eu de... Ça m'a pas droppé d'item là de tuer le creeper. Hey creeper! Voilà, bon, les flèches. Je suis bête. Je vais fabriquer des piliers pour... Ah, j'ai mis à l'envers. Là, je pourrais mettre une porte au cas où pour la sécurité. Bah, c'est un peu beaucoup quand même, mais... Ou alors je la mets juste là, peut-être. C'est au cas où il y a des mobs qui spawnent dans la grotte ou dans la mine. Voilà. Ça fait déjà 20 minutes là qu'on tourne. Ah, ça, je l'avais pas vu. Ah.
J'entends un bébé zombie. Bon, je vais éviter de trop m'éloigner et je vais récupérer de la houle. Du charbon, ça c'est très utile. Alors, je mets du charbon, je mets du charbon. N'hésitez pas à me dire toujours dans les commentaires qu'est-ce que je peux améliorer, que ce soit juste dans les constructions ou dans la manière de jouer, de parler, de... Voilà. Je vais récupérer les rails. Allez. Bon, je vais pas aller plus loin. Oh merde, je me suis perdu. Je fais vraiment les montages comme ça à l'ancienne parce que j'ai toujours trouvé ça absurde, surtout dans Minecraft où vraiment t'as des moments, des souvenirs, des trucs comme ça. J'ai toujours trouvé ça absurde les gens qui font des vidéos, bon, surtout pour Minecraft, mais où on voit que les kills, que les. Enfin, que les. C'est coupé au moment. Parce que il y a des longueurs dans Minecraft, ça c'est sûr, mais c'est justement ça, c'est une des. C'est justement ça, c'est un des trucs que j'aime dans le jeu. Puis imaginez, vous regardez un film, et ben on coupe tout ce qui est pas scène d'action, et même pendant les scènes d'action, on met que les moments où le héros il tape le méchant ou un truc comme ça, et à la fin il reste plus rien. Voilà, comme ça. Il fait jour. Bon, ben, je vais prendre des blocs comme ça. Oula, faut que je range mon fer. C'est mon faire-valoir. C'était très nul aussi, ça. Et le fer. Ah, il faut le faire. Ah, mais j'ai oublié mes haches. Je pense pas que je vais avoir besoin d'autant de bois. Les rails. Surtout les haches. Ah, je vais prendre de quoi manger au cas où pour pouvoir sprinter.
Oh, mouton. Mouton. C'est un mouton. Ça a marché. Ok, je prends une autre hache. En fait, là, je vais carrément péter tout l'arbre entier. Voilà, ce sera plus simple. Voilà, toujours la technique de l'escalier. Haha, il y a du sable. Du coup, je vais pouvoir faire du verre. Ouais, du sable, du sable. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Ah, mon ordi chauffe. Enfin, c'est le ventilateur qui tourne plus vite. Ah oui. Ah, il y a un autre. Oh, une vraie poule de sapin. Enfin, de trucs. Nuit.
mettre bien un lampadaire ici. Ah, j'entends les zombies. Le zombie, le mouton. Ah bah il prend l'ascenseur lui. Ça, je vais le pousser pour pas qu'il. Ah il bug. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un bruit de portail du Nether. Je crois que je vais faire un coffre spécial pour la terre. Alors je vais le mettre où, mon coffre à terre? Bon là. Ah bah tiens, l'autre jour j'ai uploadé une vidéo sur YouTube avec une vidéo de Minecraft. Et comme le monde est très très gentil, eh bien j'ai eu problème de droit d'auteur. Enfin pas vraiment problème puisqu'ils m'ont rien réclamé. Mais j'ai eu réclamation, là je sais plus quoi, pour droit d'auteur. Parce que c'était la musique du jeu qu'on entendait. Voilà, c'était Minecraft comme jeu. Ah là là, il pleut. Bien. Oula. Eh bien, on va dormir. Bah, au pire, je pète le bas de l'arbre et le reste, je m'en occuperai plus tard. Et évidemment, j'ai oublié les blocs d'escalier.
Pauvre mouton. Je vais en fabriquer d'autres. Oula. Ah, je suis bête. J'espère que la jungle n'est pas non plus trop grande. Ah bah je peux carrément. Ah, évidemment. Et pas si vite.
Oula, oula, zombie. Oula, il fait nuit ou quoi? Oh. Ah oui, on peut pas. J'allais sprinter, mais non, on sprinte pas encore dans cette version. Dans l'eau, je veux dire. Le biome est différent. Non, c'est pas vrai, il y a un microclimat. Par contre, ça m'intéresse, ça, la canne à sucre. La légalisation de la canne à sucre. J'en laisse toujours une en bas, au cas où, comme ça, si je meurs, il y en aura toujours une source. Oh là, ça peut être sympa de faire un. Ah, ouf, je l'ai encore. Voilà. Et on peut dire qu'il joue à saute-mouton. Ah là, on pourrait faire une petite piscine. Ok, bon, ben ça vient de sonner. Je ramasse juste les pastèques. Oh. Ah non, c'est pas tombé. Eh bien, les Kaiser et les Kaiserines, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre le pouce bleu. Au revoir et des bisous. Et regardez ma boutique Etsy.